Quand on a commencé à travailler sur Swansong, c'était à l'avènement de la V5. Donc pour nous, ça a été vraiment déjà une découverte, parce qu'on l'a découvert, on était parmi les premiers. Et puis pour beaucoup qui avaient déjà joué au jeu de rôle papier, c'était vraiment l'opportunité de pouvoir montrer en quoi la V5 avait modernisé The World of Darkness. Ce qu'on a essayé de respecter en adaptant le monde des ténèbres dans un jeu vidéo, c'est l'aspect réaliste. Comme c'est quelque chose de souterrain, il est incrusté dans notre propre réalité. Et on a voulu vraiment apporter cet aspect, on joue, mais dans le monde qui est le nôtre. Pour ancrer le jeu dans la réalité, il y a eu un énorme travail en fait, de recherche, qu'elle soit historique, pour s'imprégner de la ville qu'on avait choisie, des événements qui s'y sont déroulés, tant au niveau humain, sociaux, que politique ou culturel. Alors l'impact de la V5, un des gros changements, c'est le départ des anciens. Dans Swansong, le joueur va être amené à jouer des vampires qui vont être clairement au cœur de la Camarilla et de son fonctionnement. Le départ fait qu'on n'est pas un nouveau-né et on va pouvoir tutoyer en fait les gens, les membres du conseil, le prince. Et ça, je pense que c'est quelque chose de véritablement nouveau par rapport aux anciennes versions du monde des ténèbres. Nos inspirations viennent principalement du jeu d'aventure et du jeu de rôle papier. On se concentre davantage sur les interactions sociales et sur les interactions environnementales pour créer nos quêtes et créer les niveaux. L'univers de Vampire la Mascarade, c'est un univers qui est très dense, qui a déjà des règles établies très fortes et des caractéristiques qui lui sont propres. Nous, on a voulu respecter ces caractéristiques-là et c'est ce qui est attendu finalement d'un jeu de rôle Vampire la Mascarade pour construire notre gameplay et pour construire nos niveaux. Donc notre ambition, ça a été de créer des niveaux très ouverts avec beaucoup d'approches très variées. Vous pouvez même, par exemple, refuser de refaire la quête et de repartir comme vous êtes venu et le manquer toute une partie du gameplay si jamais vous l'avez décidé. Donc dans Vampire Swansong, là on joue avec les vampires les plus puissants de la ville. Les vampires sont dans une situation très mauvaise à Boston au moment du début du jeu. Le prince a convoqué vos trois personnages et d'autres vampires très puissants de la ville pour faire face à cette situation, et vous allez jouer ces personnages-là qui sont déjà très connus, qui ont déjà un background. Comme il y avait pas mal de fans dans l'équipe, ça a été difficile aussi de faire un choix, parce qu'on n'a pas pu tout montrer, mais ce qu'on a décidé de montrer, c'est ce qui était commun entre tout ce qu'on pouvait aimer.